Yeshua Mashiach, eh. Hosanna. Yeshua Mashiach, eh. Hosanna. Yeshua Mashiach, eh. Yeshua Mashiach, eh. Hosanna. Yeshua Mashiach, eh. Hosanna. Yeshua Mashiach, eh. Hosanna. Yeshua Mashiach, eh. Yeshua Mashiach, eh. Hosanna. Yeshua Mashiach, eh. Hosanna. Yeshua Mashiach, eh. Hosanna. Yeshua Mashiach, eh. Il fait son entrée. Son entrée, Jéhovah. Il fait son entrée, Jéhovah. Il fait son entrée, Jéhovah. Il fait son entrée. Il est tout puissant, le Seigneur. Il me donne la capacité d'être tout puissant, le Seigneur. Ah, quel homme élégant, mignon garçon. Wow. Tu l'as tiré. Où vas-tu encore? J'ai rendez-vous chez le ministre chargé des affaires religieuses. Nous avons beaucoup de choses à faire. Tu sais que notre fédération est tombée. Ces deux traîtres, Etumba et Bukila, nous ont trahis. Et il faut absolument qu'on relève cette fédération. Non seulement cela, il y a beaucoup d'autres choses que nous devons évoquer avec le ministre. Tu comprendras plus tard. Je suis en retard, il faut que j'y aille. En tout cas, allons-y prendre avant le petit déjeuner. Okay. J'ai comme impression que je suis devenu un meuble dans cette maison. Non chérie, tu ne peux pas dire ça. Je t'ai dit, tout à l'heure que tu me donneras raison. Tu comprendras. J'ai comme impression que toute ta vie tourne autour de ta fédération et du ministère. Ta famille à quelle place, hein? Je suis un peu fatiguée de tout cela. En tout cas, chérie, je sais. Et je ferai. Tu comprendras. Laisse quand la fédération va être relancée. J'espère. Et n'oublie pas que je suis en plein temps dans le ministère. Hein? La Bible dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si je t'achetais une voiture, qu'est-ce que tu dirais? Mais moi je suis délaissée, c'est ce que je ne cesse de te dire. Moi, je te préfère sans rien, hein, t'occupant de moi. Moi, je veux être aimée, hein, un peu d'attention, tu t'occupes pas de moi. Je suis devenue comme un pot de fleurs. Non. Là, attention. Jean-Pierre, Médan, Bourreau, pauvre, sans rien. Ah non, mais là, non, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc la bienvenue à cette réunion qui est exclusivement réservée aux confessions religieuses. Monsieur le Président Dufer, je vous passe donc la parole. Merci Madame le Ministre. J'aimerais déjà vous remercier encore de nous recevoir. Alors bien voulu nous recevoir dans le cadre de cette réunion pour que nous puissions vous exposer nos doléances, ce que nous avons comme difficultés
et comme besoin. Déjà, comme nous le disions dans nos lettres, nos églises ont des problèmes, les confessions religieuses ont des problèmes. Vous savez que nous sommes des organes moralisateurs. Dans nos églises, nous réclamons que vous puissiez l'État nous subventionner. Nous allons subventionner, nous sommes des hommes de Dieu, c'est-à-dire des ministres, des fonctionnaires. S'il faut envoyer les femmes aller accoucher à l'étranger, s'il faut mettre des enfants dans des écoles de renom, alors les appels de fonds ne suffisent pas. Parce qu'il nous faut, nous sommes des ministres du Seigneur. Donc il nous faut vivre dans un certain standing. Oui, Madame le ministre, vous savez, nous voulons renforcer notre lien avec l'État, c'est-à-dire les différentes églises, les différentes confessions. Nous voulons vraiment avoir des liens solides avec l'État. Et nous avons besoin de beaucoup d'autres choses. Vous voyez, dans les pays, en Occident par exemple, les églises sont immensément riches. Les doléances uniquement financières que vous venez de présenter, j'ai transmis à qui de droit. Votre fédération, ce n'est pas une fédération des églises pauvres. Si vous êtes des églises riches, cela signifie que vous avez déjà des richesses. Parce que je crois savoir que vous avez des ressources. Vous m'avez parlé de vos femmes qui partent accoucher à l'étranger. Et vous avez parlé de renforcer les liens entre l'État et les églises. Mais je pense qu'il y a déjà suffisamment de liens. Qu'à cela ne tienne, moi, vous savez, je ne lis pas la Bible, mais je crois savoir qu'il est écrit quelque part que cherchez avant tout le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais le royaume des cieux, je crois savoir que ce ne sont pas les biens matériels. Vous m'étonnez quand même. Quand je vois votre famille, je bénis le Seigneur, mon cœur est dans la joie. Amen. Je dis Amen. Hein. Il a dit, moi et ma maison nous servirons. Amen. Amen. Je comprends que l'Éternel t'a visité, mon frère. Or, beaucoup vois-tu, je connais ce prophète, c'est Damboro, le bombardier. Ses enfants, c'est des rappeurs. Connaissez et cherchez à connaître l'Éternel. C'est-à-dire que l'objectif des noms, c'est de connaître l'Éternel. Quand tu as cherché à connaître Dieu, à connaître la vérité qui est Jésus, alors tu vas faire connaître Jésus aux autres personnes. Le combat que vit en ce moment David Wilkerson, toutes ces personnes qui ont donné leur vie, je me dis, mais depuis 25 ans, où est-ce que j'étais? Je me suis égaré loin de ta face, mais ton bras n'a pas été court. Il a été assez long pour me ramener de là où j'étais jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vivre cela. Je veux ce que le Seigneur voudrait pour moi. Je ne vis plus au crochet du mensonge, des dîmes et de tout le reste. C'était du vent. Du vent? Du vent. Pour ceux du vent? C'était du vent. Il faudrait que nous continuions à prier pour ces personnes avec qui nous étions. Sincèrement, aujourd'hui, dans la phase que nous avons prise, il faut que nous fassions attention. Thank you.
100. Bienvenue à Archibishop. Merci. En fait, l'archibishop, il y a une journaliste qui doit l'interviewer. Oh, je dois avouer que c'est vraiment fatigant parce que je fais Washington, j'étais au Kremlin et je suis allé également à l'Élysée. Donc, je suis vraiment fatigué. Vous savez, j'ai été contacté par mes collaborateurs qui sont là et je suis venu juste pour relancer les activités de la Fédération des Églises riches. Et ensuite, également, je vais rencontrer Madame le ministre des Affaires religieuses pour essayer un peu d'avoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Église et l'État. Mon ministère est tellement sollicité. Donc, comme j'ai l'onction internationale mondiale pour restaurer les pays, pour restaurer les ministères qui sombrent dans la pauvreté, afin de leur communiquer la prospérité, voilà pourquoi je suis en train de parcourir le monde. Oui, l'archibishop est bien arrivé. Nous sommes ensemble, Après, c'était juste pour te signaler, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Ok, David, ok. D'accord, oui, il n'y a pas de souci, hein. Ok, toi aussi, que le Seigneur te garde également. D'accord. Oui. Chéri, qui était au téléphone avec toi? C'est David de Touba. C'est comme si je savais. Tu t'en doutais un peu, non? J'espère que c'est pas pour nous convaincre à nouveau. Mais écoute. Son histoire de repentance publique, là, tu sais que c'est bien. Écoute, Clémence. Tu sais que cela est très important. Regarde, je suis sûre que le Seigneur, il nous pardonne. On s'est déjà repenti devant le Seigneur. C'est ça le plus important. Clémence, la Bible nous recommande de confesser nos péchés les uns aux autres. Mais qui te dit pas qu'on va nous frapper ou je sais pas, ils vont se révolter, je sais pas quelle sera la réaction, la honte, l'humiliation. Ce sont ces personnes que nous avons extorqué de l'argent. Ce sont ces personnes à qui nous avons volé et à qui nous avons premièrement des comptes à rendre. Ce jour-là sera un grand jour, tu sais. D'accord? D'accord. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Donc tu es d'accord qu'on fasse cette repentance publique? Je veux d'abord compris. Tu veux compris? Seigneur, donne-nous la force. Béni soit ton Seigneur éternel, tu veux quoi? Bon, on vous a préparé une chambre ici, hein? C'est bon, oui. Oui. Ah. J'ai donné des recommandations à l'église, là. C'est quoi le secret d'un ministère prospère comme le vôtre? Mais le secret, c'est l'argent, man. C'est la même question que je réponds partout où je passe. Comme les gens voient sur moi, l'onction de la prospérité. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cible dans mon ensemble des sœurs là qui ont des voitures, des women, tout ça. Amen. Les diaconesses. Alléluia. Les hommes au directeur général quelque part, il n'y a même pas discuté. Ancien. Amen. On n'a pas besoin de réunir l'ensemble. Je vois. Moi, j'ai ce don de discerner. Quand, par exemple, j'ai l'occasion de rencontrer un ministre, ou un premier ministre, ou un président, prophétie. Et chaque prophétie, déjà, a un prix. Alléluia. Il sait donc catégoriser ces prophéties-là. Au fur et à mesure que tu vas commencer à faire ça, je suis sûr que tu as de l'expertise.
tu vas commencer à discerner en assemblée. Qui il faut placer. Ce n'est pas n'importe qui qu'il faut mettre devant. Vous êtes un bon père spirituel. Je lui ai organisé une nuit de destruction massive de sorciers. C'est-à-dire que on a fait des taillades. On a ciblé les démons territoriaux de quartier, de ville. On s'est adressé à la lune. Tu vois? Parce qu'on a compris que les démons sont en train d'envoûter les gens. Ils sont quelque part. Et on les a taillés bien toute la nuit. Alléluia. Il ne faut pas oublier chaque séminaire, chaque conférence, l'argent, mon ami. Vous pouvez prier, monsieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc moi, je n'avais encore rien compris par rapport au ministère. Mais voilà pourquoi boucler nos trompettes. Moi, j'ai les yeux des aigles. Donc j'entre en profondeur pour découvrir ce que les autres ne voient pas. Il ne faut jamais dire la vérité aux fidèles. Est-ce que tu comprends? Excusez-moi, je suis bichon. Oui, vas-y, ma fille. C'est le sage, il est en train d'arracher ses bénédictions. Alléluia. Ma fille, grâce à ce mouchoir-là, quand tu éponges le malade, ils vont se voir la guérison. Amen. Okay. Maman, vous savez qu'on a match contre le FC Canon. Le FC Canon, ah, c'est les petits, on va les damer. C'est ça. Les géants. Non, mais ouais. Il y a un là. Hein? Tout ça. Vous avez entendu parler de Valdo, c'est Valdo. Voilà. Leur super gars qui est super là. Oh, Valdo, c'est un petit, Jeff, toi aussi. C'est un petit devant toi. Non. Toi, tu es le meilleur de l'équipe. Les gars, moi, je vais faire une chose. Ne me prenez pas pour une idole. Valdo, en fait, il veut être le meilleur joueur. Vous voyez? Mais moi, je ferai tout aussi pour être au top. Mais maintenant, pas pour chercher la gloire des acclamations des hommes. Je ne le ferai pas en tout cas. Oh, oh Jeff! Mais fais vite là, nous, on va partir déjà là. Oh. Tous, ils t'attendent, hein, Jeff. On est derrière toi. Tu sais que c'est toi qui nous réveille là dans l'équipe là. Et toi aussi, regarde. Les gars, regarde, donnez lumière le vous-même, les gars, les jambes. Oui. Mais toi, te retiens. Wouhou! Ah, coucou! Oh, dans le corps. Dans le corps, viens encore travailler ce soir, esprit méchant, dans le corps. Grand-mère, bonsoir. Stop. Ici, tu es chez le grand Ganga, chez Ting Ting, le grand Ganga de ce pays. Ici, c'est le lieu saint, il faut enlever tes chaussures. Tu es allé partout, tu n'as pas trouvé les solutions. Mais aujourd'hui, tu es venu, mon fils, je connais ton problème. Tu es devenu le plus, le grand joueur de ce pays. Mon fils, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Tu vas devenir un grand joueur. Allez, va au toutou. Alors, soulève ton pantalon. Tu vas devenir un grand joueur. Il va te demander les sacrifices. Peut-être tu vas donner même tes enfants. Ah, mon frère Timothée. Oui, David. Bon arrivé. Merci, mon frère. Ça va. Et toi? Ton parcours a été long? Bon, vraiment, je m'excuse pour le retard. J'ai été maintenant. Je te présente Étienne. Étienne Boukila. Ah, Étienne. Nous devons organiser une conférence. Ah, je bénis Dieu pour votre présence. Et je pense qu'il est temps que nous puissions ensemble chercher aussi un thème. Là, je crois qu'il faut un titre très captivant. Un titre qui attire. Regardez. La grande de la destruction. Moi, je propose unis dans la diversité. Je propose un titre vraiment qui va booster le cœur des gens. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Là, c'est les chansons des enfants. Trop, c'est trop. S'il vous plaît. Donc, moi, je proposais unis dans la diversité. Philippe, comment? Je te trouve un peu trop calme. Le calvaire que je vis avec mon épouse, ça. Sandrine, tu as des soucis avec ta femme. C'est compliqué pour moi parce que c'est... Tu ne peux pas divorcer. On ne divorce pas. Tu sais, c'est la vie de mariage. Hein.
c'est ça, il y a des hauts, il y a des bas. Et... Comment toi tu vis ta vie de couple avec ton épouse? On a des hauts et des bas, mais je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus de hauts parce qu'en fait on se comprend. On se compense. C'est une femme qui tient d'accord avec des filles, je dirais même des filles de rue. Il faut que le Seigneur puisse toucher le cœur de ta femme. Il faut qu'elle puisse donner son cœur à Jésus. Oh, je vais en paix. Tu sais, Timothée, je te le dis, je ne prenais pas de bon allant ce que tu disais. Il n'y a pas de puissance contre cette vérité. Nous voulons demeurer, mais nous devons nous oublier. C'est pourquoi vraiment je suis heureux et que cette prise de contact ne sera pas la dernière, vraiment, parce que je crois que le chemin est long pour que nous marchions pour le Seigneur. Donc va devant le peuple, tu te répands. Alors ceux-là qui vont certainement te combattre dans ton église là où tu priais, si te combattent, ce n'est pas ton affaire. C'est entre eux et Dieu. Toi, je t'ai répondu. Unis dans la diversité. Okay. Ah, je le savais si bien. Donc le show est terminé. Alléluia. Oh, qui je vois là? Regardez. Vous voyez ce monsieur là avec les lunettes là? C'est lui qui a fait comment? Oui, c'est le pasteur qui a fait. Et celui qui se lève là, c'est lui, je crois que c'est lui qui les a corrompus. Ah, il a quoi? Parce qu'il y a une bonne situation. Il est misérable. Et on l'a vu passer à la télé, que c'est un message bizarre. Il rencontre les églises. Un rigolo comme ça, regarde comme il est habillé. Et vous savez vous-même, et que le salaire des traîtres, c'est la pendaison spirituelle. Ils seront pendus. Pas préparé. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ou bien il y a quelque chose au frigo? Ah! Seigneur, c'est pas possible. Ça. Non, ça c'est quel calvaire, ça? Franchement, je laisse pas faire ma petite. Sandrine. C'est comment? Tu n'as même pas fait à manger. Tu n'as pas préparé. Je n'ai aucune prime de risque. Lorsque l'huile saute sur moi quand je prépare la cuisine. Surtout quand je frie le poisson. Donc, mais quoi tu m'études? Tu m'études sur quoi? Pourquoi je t'ai épousé alors? S'il te plaît. La cuisine est vraiment, je sais pas. Il n'y a rien à manger, c'est l'horrible. Hein. Je fais comment? Et c'est la télévision, c'est moi qui ai payé la télévision là. Et c'est moi le chef ici. Donne-moi la télécommande. Ça va? Donne-moi la télécommande. Allez-moi ça. Donne-moi la télécommande. Oh! Ah! Voilà, c'est ça! Tu m'as fait ta femme! Tu m'as fait ta femme, la femme! C'est ça, il paraît! C'est les commandes! Comment c'est les commandes? Il me parle! Aïe! Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! Aïe! Aïe! Comment c'est les commandes? Je vais mettre la chute! Je veux plus Dieu qui puisse ton cœur! J'ai allé te faire sortir de ma maison depuis! Tu me bats! Je vois que ça, c'est ça, t'arrête! J'aurai les bleus! Certificat médical, va sortir! Tu me violentes! Je suis désolé, hein! Je dis, arrête ça, c'est quoi? Tu me connais, non? Arrête ça, laisse-moi ça, passe sur la télé. Allez, je vais vous suivre les pantins. Va. Avale ta télé, mange tout. Allez, c'est le bon à toi. Oh, le plus beau. Attends, ça. Il y a quelqu'un ici. Coco? Il y a quelqu'un? Bonjour madame. Bonjour monsieur. En fait, nous sommes les fils d'Abraham. Nous parlons de Jésus à toutes les personnes qui désirent l'écouter. J'ai mes problèmes, c'est pas la peine. Madame, nous vous parlons de la solution à vos problèmes. Un qui m'a appelé tout dernièrement. Il a payé le billet pour aller en Afrique du Sud. Je dis je ne peux pas. Il est carrément allé au lit avec moi. Non, mais je t'assure. Mais je t'assure que moins d'un mois, oui, avec les souffrances que je vis, la galère, je me suis dit, ah mais pourquoi pas ne pas essayer, mais non, je ne peux pas, Clémence. En fait, je vois d'où le Seigneur m'a sorti, je ne peux pas essayer. Amen. Sur le coup, quand tu te dis, c'est le Seigneur, mais bien sûr, la séduction.
Tu te dis c'est le Seigneur qui t'a ouvert une porte, mais attends, Satan aussi ouvre des portes. Hein? Mmh. Tu vois, j'ai dû rendre le véhicule parce que le véhicule, c'était pas à moi, il m'avait acheté un véhicule, donc le Seigneur m'a demandé de rendre. Je me retrouve à pied. Et je me retrouve à pied, il faut rendre le véhicule, il faut rendre des affaires où tu résistes. Le Seigneur te demande de rendre parce que mes parents m'ont insulté. Mes parents ont fait une réunion, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont dit que toi tu es malade, tu ne vas plus avec les hommes, qu'est-ce qui ne va pas, tu es folle. Ma soeur m'a même demandé d'aller sur internet. Mais oui, ma soeur m'a même demandé que je vais te trouver un mari sur internet. Je me sens pas. Non. Mais c'est là où j'ai réalisé qu'effectivement la famille est dans l'ignorance. Ils sont dépassés. Ils se posent des questions. Mais je leur ai dit que j'ai rencontré l'homme le plus beau. Jésus, c'est le salut, la solution que Dieu a trouvée pour l'humanité. Personne ne pouvait nous sauver de nos problèmes. Quand bien même chez nous en Afrique, beaucoup ont été éduqués dans la filiation avec les tradis praticiens, avec les marabouts, avec les ngangas. Il y en a qui se disent chrétiens. Mais au fil des temps, quand il y a une épreuve, une difficulté, il faut des virgules pour aller consulter les marabouts, les voyants. Attendez, donc vous voulez me faire comprendre que consulter les ngangas, les marabouts n'est pas une bonne chose. Mais et pourtant, tout pouvoir vient de Dieu. Justement, madame, regardez, la Bible dit, autrefois ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne sont pas leur nature. Vous allez voir, beaucoup sont ceux-là qui prétendent servir Dieu pour ne sont pas avec Dieu. Alors, quand nous vous parlons de Jésus, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors, si nous vous parlons de Jésus, sans Jésus, vous ne pouvez pas être sauvé. Mais et pourtant, quand j'y vais, ils me présentent la Bible, ça veut dire qu'ils sont avec Jésus. Avez-vous trouvé une solution à votre problème, madame? Mais vous savez, ça dépend de la puissance de quelqu'un. Il y a quelqu'un que j'ai consulté il y a quelques jours. Tu es venu chez le grand Ting Ting. Tu vois la Bible là? Je travaille avec la Bible. Mon Dieu me montre les choses. Vous êtes devenu une grande femme de paix. Vous êtes une grande femme de ce pays. Vous voyez ceci? Vous voyez ceci? Personne ne doit voir cela. Personne ne doit voir cela. Ces choses-là, ça ne doit pas se brûler. Le jour où vous allez brûler, ma fille, vous allez mourir. Je n'arrivais pas à dormir, mais je vois que je peux dormir sans être dérangée. Vous savez, madame, Jésus dit, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ça, c'est une paix éphémère. Alors, dans Jésus, il y a la vraie paix et il y a le salut de l'âme. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. Certainement, tu peux aller chez les tradis parisiens comme tu le fais, mais si tu mens, où est-ce que tu iras? C'est de ça qu'il est question. Toi, tu as besoin de donner ton âme à Jésus. Il vous a aimé, madame. Avant que vous ne soyez dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait déjà. Quels que soient les péchés que tu as commis, lui-même Jésus, dans Matthieu, l'avait dit qu'il est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Amen. Alors, si tu acceptes Jésus, quels que soient tes péchés, vraiment, excusez-moi, peut-être que vous avez pratiqué des avortements, le meurtre, toutes ces choses-là. Si vous acceptez Jésus, Jésus efface vos péchés. Alors, si vous avez eu des reliques, des amulettes qui vous ont été offertes, vous les cherchez vous-même. Brûlez-les. Brûlez-les. Ces choses ne doivent pas être brûlées. Brûlez-les. Brûlez-les. Ces fétiches, c'est toi qui les gardes sous le lit. C'est toi qui les gardes autour des terrains. Quand il pleut, il ne faut pas qu'ils se mouillent. Entre toi et eux qui protègent les autres. Alors si tu les brûles, tu ne mourras pas. C'est un mensonge du diable. Voilà. Il est 14h, que personne ne me dérange. Hein? Je prépare mon culte de demain. Samson, monte un peu la voix. Oui, c'est Samson. 35 000. On peut toutefois débattre le prix. Je peux avoir un panier pour mes affaires, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un panier, s'il vous plaît. Mais ça, c'est mon épouse que je t'aime. Je suis seul, je prends le téléphone là. Sandrine! J'ai terminé avec ça. Chérie, tu fais quoi ici? C'est quoi? Tu me surveilles maintenant? J'ai un GPS sur moi ou quoi? S'il vous plaît, j'ai besoin d'un panier, je vais partir. Eh bien, parce que ça tarde trop.
Salut. C'est quoi? Tu me réponds plus? Vous prenez les chèques, s'il vous plaît. Tu fais quoi ici dans le magasin? C'est comment? Tu me surveilles maintenant? Tu me contrôles? Oh, tu me reconnais plus? Et alors? Pardon. Que je ne sais pas quoi te dire, je suis dépassé. Oui. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît. Oui. Nous souhaitions rencontrer votre patron s'il est là. Ce qui nous amène est très urgent et cela ne pouvait plus attendre. Mon patron, mais alors là, il ne soit plus. Vous pouvez lui dire que monsieur Etumba Mbembe David et monsieur Etienne Boukila sont là. Veuillez patienter. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, madame Leka. Vous avez la visite de monsieur. Mais je vous avais dit que je ne recevais plus après 14h. Qu'est-ce qu'il me veut? Ok. Fais-le entrer. D'accord. C'est monsieur. Comment vaut l'honneur de votre visite? Asseyez-vous. Nous avons décidé de marcher pour Jésus désormais. Nous sommes désormais des pèlerins sur cette terre. Être pèlerin ne signifie pas être miséreux ou misérable. Parce qu'aujourd'hui nous ne portons pas de veste. Nous avons plein de bidonvilles ici où c'est pas sûr qu'on pourrait te recevoir avec ce beau costume. Revenez à la raison. L'évangile pour nous aujourd'hui est simple. C'est-à-dire que c'est présenter Jésus aux hommes. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. Que je prospère à tous égards. C'est ça la volonté de Dieu. Ça s'arrête là. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est en polo ou en petite chemise qu'on peut se manger? Qui vous l'a dit? Lisez de vos Bibles. Vous êtes acteur logos. Et qui vous a dit qu'on cherche le réma? Cherchez le réma. C'est le logos, c'est la lettre. La Bible dit que la lettre tue. Vous savez. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue. Athanas. Tu sais, repentez-vous. Ah, Gaston. Bonjour. Ah, bonjour, cher collègue. Comment ça va? Ah, ça va aller comment? J'ai aperçu madame tout à l'heure là. Le temps de faire bonjour, elle n'a même pas daigné me répondre. Mais c'est elle que tu viens de. C'est elle qui vient d'abandonner les choses là, le matériel là. Je suis surpris et la manière dont elle m'a traité ici dans le magasin ici, mais je suis dépassé quoi. Je ne sais même pas s'il faut encore prendre son téléphone. C'est comme si la situation s'est renversée. Hein, ça me rappelle quand tu venais me voir pour la situation de ta femme, c'est ce que j'ai vu maintenant. Moi, ce que je peux te dire, cette affaire-là, c'est une affaire pas des sciences, c'est une affaire des genoux au sol. Jésus est Seigneur. Tu me connais, tu as vu, tu es un témoignage vivant de ma conversion, donc, de la transformation que je t'ai fait. Tu m'as reçu, non? Jésus est Seigneur. Ok, pas de problème. On va s'accorder, je vais voir mon épouse, et puis après on s'appelle et tout ça. Le ministre à la conférence. Oui, c'est une très bonne idée. Ça. On va nous respecter. On va nous respecter. C'est une très bonne idée, Juppé. Tiens, tu commences à m'impressionner, Juppé. Madame Leka, il faut noter ce point-là en gros caractère. Tout cela se déprenait tout. Madame le ministre, elle est athée.
Bon, elle est athée et en fait, par rapport à nos projets, nous aimerons la voir dans la fédération. Madame le ministre. La bienvenue à ma résidence qui est aussi la vôtre. Je passe donc la parole au bishop ou pasteur Athanase Odango. Bishop, madame, je suis bishop. Voilà, donc je vous présente l'archibishop Robert Kanou, il est mondialement reconnu. Donc il ne pouvait pas venir organiser une conférence ici sans que vous, le ministre, vous nous soyez informé. Nous avons tenu à vous le présenter personnellement. Il est mondialement reconnu. Hein? Mm-hmm. Je crois qu'il va nous parler des problèmes que nous connaissions dans notre fédération. Tout à fait. Et je crois que c'est Dieu qui nous l'a envoyé pour résoudre ces problèmes. Monsieur l'archibishop, je pense que vous devez occuper un rang assez élevé dans la hiérarchie ecclésiastique. Je suis au-delà de la mêlée. Que comptez-vous donc faire concrètement pour essayer de relever ou de booster l'affaire? Vous savez, j'ai été contacté par mes collaborateurs ici, la Fédération des Églises de Riches. Donc on est venu pour essayer un peu de communiquer l'onction nécessaire. Et vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui portent des chaussures en caoutchouc, qui doivent être maintenant des chaussures en croco, parce que moi j'ai Louis Vuitton. On va essayer un peu de délivrer tous ceux qui sont attachés par des démons. Nous voulons que non seulement que l'Église soit riche, mais également le peuple. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Ce genre d'événement, une conférence, où nous allons inviter des hommes de Dieu d'autres confessions religieuses. Ça nécessite quand même un certain investissement. Assister à cette conférence et puis vous verrez. Jésus, tu es ma vie et ma gloire, mon harmonie, ma paix. Ces choses-là, ça ne doit pas se brûler. Vous, le jour où vous allez brûler. Ma fille, vous allez mourir. C'est Jésus, notre bouclier et notre cuirasse. Capable de rien, tu es ma force. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Père. Oh Seigneur, je vais m'abandonner à toi. Merci pour ta parole qui me délivre ce soir, Jésus. Ah, Seigneur, merci. Tout mon être entretient mon Seigneur, mon roi, mon Dieu, mon papa. Mon cœur t'a. Oh, c'est pas la peine. Bonjour chérie. Vraiment, c'est terrible quoi. L'émancipation là, je ne sais pas où on avait ramassé ça. Les femmes sont devenues, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment je vais parler à mon Seigneur. Et pourtant toi-même tu as dit, Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui trouve la femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, Seigneur. Aide-moi, papa. Vaisselle, il n'a pas terminé. Trois assiettes, deux cuillères. Ça va se savoir. Il est
tu as dit dans ta parole que c'est lui qui trouve la femme. Oh Jésus, 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 trouve le bonheur. Si je voudrais, Seigneur, que mon épouse, je voudrais que mon épouse, Seigneur, Sandrine, Seigneur, qu'elle te rencontre, Seigneur. Seigneur, que tu la visites, Seigneur. Oh Jésus. Il va falloir que vous refaites. En fait, le Seigneur va vous amener, vous emmener à faire des choses correctement maintenant. Comme tu dis, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Oui, oui. C'est l'évangélisation, c'est le football. Il n'étudie plus les leçons. Fatih Kawa, comment tu vas? Ça va et toi, Stéphane? Ça va. Là, tu es parti encore pour le foot. Le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie. Mais il faut faire l'équilibre. Le Seigneur n'est pas contre les études. Mais si tu fais l'école, tu abandonnes et puis parce que le foot, non, là, ça devient maintenant l'idolâtrie. Et tu vois, c'est pour ça que la Bible nous parle de l'idolâtrie. En fait, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand quelque chose prend la place du Seigneur. Et là, ta maman remarque que le foot prend la place du Seigneur. Le foot, l'école. Alors, Sandrine, comment ça? Mais c'est comme tu vois. Tu as bonne mine. Eh bien, quoi, tu voulais quoi, le contraire? J'étais chez lui. Voilà, il m'avait invité là-bas par rapport au problème que vous avez eu. Où il était venu me demander un peu les conseils et tout, tout. Ah, en tout cas, je crois que je bénis le Seigneur quand je le vois là et... Je suis comme un cheveu dans la soupe, hein. Tu te sens un peu gêné, il y a un problème. Autant de speech. Et les enfants, ça va? À la maison là-bas? Oh, bah, grâce à Dieu. Les enfants, c'est à la perfection. On avance, je crois qu'on forme une église dans laquelle le Seigneur se glorifie. Ça va, Edu. Le président de soi, au niveau là où il est arrivé, il a une procédure. Je crois qu'avec des tels joueurs comme on a ici, on peut devenir des grands, on peut avoir des stars ici. Une de trois, une de trois, une de trois. Ce que j'attends de vous, ce n'est pas que vous me fassiez des dribbles. Ok? C'est que vous ayez un jeu organisé, construit, avec une bonne organisation, dans un bon match, en plein match, c'est ce que je veux. Et je suis sûr qu'on va aller loin. As-tu des questions? Coach Elvis, oui. Permettez. Le bishop peut prier pour nous à la fin. On a perdu plus les deux matchs la fois passée, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, je me demandais ce qui n'allait pas. Hein? Il était où ton Jésus? Mais il était assis sur son trône. Une à trois! Une à trois! Une à trois! Alors, Étienne Boukila. Oh, ah mon frère, ça va? Non, ça va, ça va. En tout cas, merci de ta visite déjà. Alors merci. Les enfants, Franck et Stéphane, vous lavez la voiture du révérend? Ah. Ah. Moi aussi je lave, hein. Moi aussi je lave. Je suis vraiment très touché de te voir faire cela. Moi, je suis en plus, content. Ça ne m'enlève rien. C'est les fidèles qui venaient tondre ta pelouse, laver la voiture, mais je suis content de voir les enfants faire ce travail là. Je suis vraiment très content de toi, mon frère. Que le Seigneur vous fortifie. Je suis très content de tes encouragements. Tu sais, ça me met vraiment dans la joie de savoir que toi, tu es un frère. Et puis... Je suis vraiment très content. Non. Mais il n'y a pas longtemps, tu ne pouvais pas s'embrasser comme ça. Tu me cassais de sa tête. Regarde, j'ai vraiment besoin. Tu sais, toi, tu es quelqu'un qui m'encourage beaucoup avec Kitumba. Amen. D'accord? Amen. Moi, je serai au séminaire demain. Ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes. Je ne manquerai pas. Toutes les manières. D'accord. Tu es au courant. Tu connais là où ça se trouve, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Je ne manquerai pas. Je suis très content de ta visite. Bon, les enfants, en tout cas. Vraiment, que le Seigneur vous garde. Le temps est proche. C'est le moment où nous allons nous réunir, en fait. Et ce soir, nous avons beaucoup d'invités, des personnes très influentes dans la nation et d'ailleurs. Vous avez à ma droite l'imam Youssef. Et tout juste à côté de lui, Monseigneur Saint Colombo. Et vous avez la prophétesse des nations, Jeanne Kemani. Nous avons parmi nous ce soir un ministre qui nous a honoré de sa présence. Donc je vais vous présenter le ministre chargé des affaires religieuses, Madame Panga.
nous voulons vous présenter l'archibishop. La solution de ce monde passe par l'instauration d'un monde nouveau où la paix régnera, où la fédération des églises de riches dominera. Un monde où il n'y a qu'une seule religion, une seule religion, une seule économie, une seule économie, une seule monnaie, une seule monnaie. Le système politique, le système religieux doit être uni. Ce pays va être relevé, Madame le ministre. Je suis en train de traverser le pays, le continent, parce qu'il m'a choisi. Alléluia. Afin de communiquer l'onction de prospérité. Alléluia. Vous savez, ça sera naturel maintenant de prophétiser. On n'a pas besoin de jeûner. Nous, ce n'est pas la Bible qu'on ouvre, c'est l'onction qui enseigne. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de se bourrer de versets, parce que Dieu, avec son onction, nous enseigne. Alors, sans plus tarder, j'aimerais procéder à l'installation de membres de la Fédération des Églises des Riches. Comme deux membres ont été touchés par l'esprit de pauvreté et sont égarés, induits en erreur à jamais, pour y appeler l'intercession. Parce que c'est l'esprit de garde, il faut que Dieu lui-même s'élève. J'ai un message pour Madame le ministre. You shall be appointed Minister of Foreign Affairs after 2 days after our confirmation. Otherwise, you put us in jail. Oh, yes. Amen. Elle sera nommée 2 jours après notre conférence. Au nom de Madame la ministre des Affaires religieuses de la Fédération des Églises de Riches, je vous installe en tant que présidente de la Fédération des Églises de Riches. Jean-Pierre Méda Boro de Bombardier. Jésus est le salut. Aucune religion ne peut vous sauver. Aucune religion ne peut vous donner la paix. Nous allons lancer le feu à Etoba et à Bougla là où ils sont. Amen. Ils ont fait l'erreur de nous quitter. Ils vont recevoir le feu. Que le feu tombe sur les consumes. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir monsieur, qui êtes-vous? Oui, bonsoir. Etoumba et Timothée. Oui, c'est Timothée. Nous voulons assister au séminaire. Non, non, stop, stop, stop. Là-bas, c'est les grands bishops. Vous êtes même mal habillé, regardez comment vous êtes. Vous aussi. Monsieur, si tu es mort, repends-toi. Monsieur, si tu es mort, repends-toi. Si tu es mort, repends-toi. Si tu es mort, repends-toi. Monsieur, si tu es mort, repends-toi. T'as fait quoi? Il mettra le diable si j'accroche ce but. Il vous tend la main, habitant de la terre. Ne vous y trompez pas. Ni les escrocs, ni les occultistes, ni les occuministes, ni la culture mériteront le royaume des cieux. Nous avons assisté au séminaire, mais apparemment, c'est comme s'il ne veut pas que nous entrions. Non, il n'y a rien, Excellence. Veuillez regagner votre siège, s'il vous plaît. C'est rien. Toi! Mon ami. Toi. Mon ami. Mais nous voulons assister au séminaire. Pas... Non. Pas de débat. Et bien, on ne pas de problème. Occupe-toi de. Mais vous parlez de Jésus aux gens, non bien? Attends, c'est plus l'évangile de Jésus qui est prêché ici. Jésus te voit. Il voit ce que tu fais. Aujourd'hui, j'étais content et j'espère que prochainement, Inch'Allah, on va se retrouver. Dieu nous a dit, vous êtes un. Aujourd'hui, on a parlé de l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Que ce soit les musulmans, que ce soit
nos frères protestants, que ce soit nos frères éveillés, nous sommes tous un. Abid, Abid! Vado, vado! Cote, cote! Oh, comment? Abid, nous lâcher! Vado, vado, vado! Vado! Réponds, vado, réponds! Voilà les fétiches, tout ça là! Les fétiches? Non! Elena, elle est où? Elle sait bien que je dois feinter le gars là. S'il me trouve là, je ne pars plus. Comme une dernière pour la route. D'ici là que je devienne chrétienne avec ma... Moi, c'était pour devenir ma poule, oui! Sandrine! Entre, Elena! Oh, terminé. J'ai toute coquette. Oh, comment tu... Ça va? Oui, ça va. Ma c'est que j'ai appelé aujourd'hui, j'ai fait que je vais rencontrer. Il paraît que Jésus revient bientôt. Ton téléphone, il faut l'arrêter là. Ton téléphone, il faut l'arrêter parce qu'il ne faudrait pas que ton mari nous dérange. Il est à quel niveau là? Ah non, 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 ça fait vraiment raté. On essaie d'arrêter, c'est devenu ma boule comme eux. Qui t'appelle encore là? Ton mari. Pardon. Allons, allons. Allons, pardon. L'introduction. Doucement, chauffeur, pardon. Oh, nous, on veut bien nous habiller. On veut bien plus. Doucement, on a dit des choses sérieuses, chauffeur. Ce soir, nous, on veut vraiment nous amuser comme il faut, là. Doucement. Je crois qu'on arrive froissé. Attends. Classe totale. Allez, comme retour, incognito. Oui. Elena. Oui. Et finalement, le boss, les frais du boss. Parce que tu dois faire un piquage. Ouais. Mais ça a déjà été fait. Mais attends, franchement, tu vois, je suis là. Et... Ah, tu dois prendre ça chez toi parce que c'est pas pour mon mari sache que j'ai l'argent. Donc, okay. Et youkou, parce que moi alors me mets les alléluia matin, foi, alléluia. La famille. Tu sais le chauffeur là où? Ton boss a vu les bons chauffeurs ou quoi? Il est pas payé, il est ici comme ça. Voilà. C'est son la trompette qui a averti mon peuple. Tu as le bon? Tu disais que c'est. Oh, attends. Oh, tu es là, moi je t'attends depuis. Tu viens, tu me vois. Excuse-moi, je suis tellement absorbé avec la beauté des livres qui sont là. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour, Fatou. Ça va? Oui, docteur. Alors, comment vous avez passé la garde? Bien, docteur, sauf que aux environs de 23 heures, docteur nous a amené deux patientes suite à un accident de circulation. L'une s'appellerait Sandrine et c'est elle qui est la plus touchée, docteur. Je lui ai fait un pot d'afalgan en UVD et un Voltaren en UM. Docteur, je viens aussi de faire un pansement actualisé du membre. Et comment faire pour contacter sa famille? Sa copine Elena nous a laissé le numéro de son mari, Monsieur Philippe. Depuis votre dernier passage à la maison, ton épouse et toi, et vraiment ça m'a... Il y a eu quelque chose quand même. Là, je t'informe qu'il y a un séminaire qui va se passer d'ici peu. Et je désire te convier, toi et ton épouse. Parce que derrière ce séminaire, je crois que Dieu va nous enseigner encore des grandes choses. Oui, allô? Oui, c'est Monsieur Philippe. Oui. Bonjour, monsieur.
Bonjour madame. C'est de la part de qui? Oui, je suis le docteur Fatoumata de la clinique Déborah. Votre épouse a été reçue dans la nuit, accompagnée de sa copine Elena, hein, pour un accident de la voie publique. Quoi? J'aimerais que vous vous rapprochiez de nous pour vous enquérir de son état de santé. Frère, qu'est-ce qui se passe? On a appelé votre époux tout à l'heure, hein? Il va venir vous voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici, là? Le bras qui fait mal, ça se raccourcit, c'est sûr qu'on aura une fracture là. On va essayer de voir. Ça fait mal? On va faire des radios. Essayez de respirer fort. Entrez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, c'est ici la clinique Déborah. Bien sûr, vous êtes bien dans la clinique Déborah. On vient de m'appeler là. Entrez, le médecin et les gens sont avec votre fille. Ah bon? Oui, entrez, on fait tout d'attente. Ah, monsieur Philippe? Ah, Sandrine! Ah, monsieur Philippe? Bonjour. Non, ça va, faut pas vous alarmer comme ça. Hein? Elle est sortie déjà de l'état critique. Nous l'avons déjà examinée. Hein, vous voyez qu'elle elle a déjà eu quelques soins. Il faudrait qu'on lui fasse des radios. Donc elle doit d'abord docteur, faire des radios. Docteur, excuse-moi, docteur. Oui. Sandrine. Calmez-vous, madame. C'est pas le moment de le choquer encore plus. Elle est déjà sortie de l'état critique. On va lui faire des radios, hein, un scanner pour la tête, une radio panoramique, hein, pour son arcade dentaire, hein, si on fait là. Ah, Philippe, c'est comment? C'est ah, quoi? Ma soeur, je ne sais pas comment. Oh, c'est Sandrine, c'est quoi? Bon. Ah. Elle m'entend? Oui, ça va. Sandrine? Comment tu vas, ma chérie? Comment tu vas? Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Elle aurait pu tomber dans le coma comme ça. Ah, c'est ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est difficile. Hein? Le Seigneur, il interpelle ses enfants tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne fait pas de la même manière pour tout le monde. Sandrine. Tu as vu? Tu aurais pu mourir et tu allais où? En enfer? C'est une grâce. Il t'accorde encore une belle chance pour te repentir. Repends-toi sincèrement, Sandrine. Abandonne tes mauvaises voies, abandonne-les. Ça ne te mène à rien. Regarde là où ça t'a amené. L'hôpital, qu'est-ce qu'on fait ici, Seigneur Jésus? C'est quoi? Mais comme on dit, hein, le Seigneur, tout ce qu'il fait est bon. Amen. Il sait pourquoi il a fait ça. Ceux qui aiment Dieu. C'est une grâce que Dieu te fait. Accepte aujourd'hui. Accepte. Accepte sincèrement. De tout ton cœur. Ce qu'il recherche, c'est nos cœurs, le Seigneur. Qu'on lui donne nos cœurs, c'est tout ce qu'il recherche. Bien. Nous allons cotiser parce que nous avons un projet. Nous allons construire une cathédrale de 6000 places. Donc, bientôt, nous irons dans nos nouveaux locaux. La Bible dit que celui à qui on enseigne l'évangile fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et qui sème peu, moissonne peu. Bien. Ah, merci pour ces offrandes, Seigneur, parce qu'ils vont nous servir à la construction de notre temple. Bénis les mains qui ont donné, Seigneur, et que ceux qui n'ont pas donné, Père, toi-même tu connais. Mon frère, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? J'ai besoin de 100 000. Il y a mon fils qui est malade, donc j'ai besoin de 100 000. Est-ce que vous ne pouvez pas m'avoir 100 000? Ah, ma soeur, là, vraiment, on n'a que 12 millions dans la caisse. Donc, et ces 12 millions-là, c'est pour la construction de notre cathédrale. Ce qu'on peut faire, hein, alléluia, nous allons prier. Vous allez prier comment? Voici l'ordonnance. Vous allez encore prier comment? L'argent est là. Qu'est-ce que 100 000 par rapport aux 12 millions que nous avons dans la caisse? La Bible dit que nous devons vraiment nous soutenir. Est-ce ainsi que nous bâtissons l'œuvre du Seigneur?
Ok, face à cela, je me vois obligé de demander la permission au pasteur Bukila s'il peut faire quelque chose. Evil's always on the other side. Je suis vraiment content de vous voir tous autant que vous êtes. Je viens vous demander pardon. Quoi? Pasteur, mon Dieu! C'est une prière. La Bible dit que celui qui confesse son péché et l'abandonne obtient miséricorde. Je suis fatigué, frères et sœurs. Je viens en même temps vous demander pardon et vous demander aussi qu'on reparte sur de nouvelles bases. Non, je ne suivais pas Jésus. J'étais plus attiré par votre argent. Je vous escroquais. Je me suis servi de vous. J'étais plus attiré par vos poches. Et le comble dans tout ça, c'est que beaucoup d'entre vous sont mes parents. J'ai décidé de travailler pour nourrir ma famille et pour me nourrir. Tu t'es remis 5 millions. Tu devais me consacrer, prophétesse. Donc c'était de la main. Mais tu voulais acheter une grâce de Dieu. Comment penses-tu que moi je puisse faire de toi une prophétesse? Et c'est ton mari. Quelle onction? Avec Clémence que tu me demandais d'épouser. Donc c'était pour son argent. Tu me disais que j'étais Esther. Oui, je le reconnais. Et que sa femme était vacille. Je le reconnais. C'était un faux évangile. Craignons l'Éternel. Ne retombons pas là-dedans. La repentance qui produit la tristesse dans mon cœur aujourd'hui me donne la vie. Oui, frère. Je vous le dis, j'ai mal agi. Je vous ai demandé de venir parce que je voulais, devant vous, vous demander pardon. Je viens m'humilier devant vous. La Bible déclare, Dieu sans tenir compte des temps, annonce maintenant à tous les hommes qui doivent se repentir. La repentance, c'est le fait de tourner le dos à ton ancienne vie. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Alors ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Donne à Dieu vos cœurs. Certainement tu pries. Mais si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, c'est le temps de le faire ce matin. Celui qui ne pardonne pas à son frère, Dieu ne peut pas lui pardonner. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Si tu as été interpellé ce matin par Jésus, alors mets-toi debout. C'est l'heure de la repentance. Tu dois changer la vie que tu mènes. Certainement, tu as consulté beaucoup de médiums, beaucoup de praticiens, beaucoup de charlatans. Jésus est tout puissant pour te restaurer. Tu dois quitter le concubinage. Tu dois quitter le vol, les pratiques mystiques. C'est triste. Pour les gens qui étaient Étienne Bukila, quelqu'un qui était connu.
C'est grâce à lui que on a pu avoir, on a pu rencontrer les autorités de ce pays. Aujourd'hui, il s'est complètement perdu. Il est perdu, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il mérite le châtiment de Dieu, hein. Il mérite vraiment le châtiment de Dieu. Eh bien, quand il sera à l'hôpital, il comprendra ce que c'est que le jugement du Seigneur. Chacun. 2 millions chacun. Non, pour ça, comptez sur nous. Comptez sur nous, le gars. Y a pas de soucis. On va finir avec eux. Je ne m'appelle plus Valdo. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Paul. Depuis quand tu t'appelles plus Valdo? Depuis le jour que j'ai donné ma vie à Chris. De toute façon, je ne suis pas venue te parler de ça. Je suis venue te parler de la soirée champagne. J'espère que tu n'as pas oublié. Ah bon, soirée champagne? Oui. Prends la bonne place. Je suis venue te dire qu'on doit aller chez Laure. On doit aller chez Laure. Ne l'oublie pas. C'est... Non, Valdo. Ah, Sandra. Tu voudrais savoir ce que j'ai vécu pendant le match de football, la fois passée. Je vais te rappeler une chose. Le Seigneur t'aime aussi, Sandra. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi, Sandra. Valdo. Je t'ai écouté. Tu me connais. Mais si, je te connais. Valdo, tu me connais. Mais oui, je te connais. Valdo, tu es mon espoir. Quoi, tu me plaques? Non, Sandra, je te dis. Tu me plaques? Le football a été une idole pour moi. Mais seulement, Jésus est meilleur. Jésus est plus que le football. Jésus est plus que les milliards qu'on nous propose. Jésus est plus important que le foot, Sandra. Tu as vu ce que la vie d'un grand m'a mené. Tu as vu. Je ne jouais qu'avec la magie. Comme tu le reconnais. Valdo. Mais ça m'a mené où? Pense aussi à la vie éternelle. Valdo, tu es un pour rien. Oui, tu es un pour rien, toi. Tu sais quoi? Tu es un pour rien. C'est pas le problème. J'avais mis mes espoirs sur toi. C'est pas ça. C'est oui. Jésus qui a l'espoir. C'est pas moi. Tu es nul là. De toute façon, mes copines avaient raison. Elles avaient raison. Ah, bon? Je ne comptais pas sur toi pour être riche. Je savais qu'avec toi, je pouvais rien faire. Ah bon? Pour ta gouverne, j'avais deux petites amies. Toi et Pablo. S'il te plaît. S'il te plaît, Sandra. De toute façon, c'est ton choix. Continue dans ta vie éternelle. Bon courage. Ils sont capables de tout.
Allô? Madame la ministre, bonsoir. Je suis le vice-président de l'affaire la Fédération des Églises Riches. Je vous appelle pour vous annoncer que le débat dont nous avons parlé, qui devait avoir lieu à la télévision, est annulé. D'accord, madame la ministre. Bonsoir. Voilà. Comme ça, au moins, si elle m'appelle aussi, je lui dirai que, en fait, ils ont fui, quoi. D'accord. Parce qu'ils savaient que nous avions la vérité. Il y a un passage là que je voulais partager avec toi. Hein. Dans Jean 3, 16, hein, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage là, hein, lorsque je l'ai entendu, vraiment chérie, ça a touché mon cœur. Et après, j'ai compris que vraiment, quel amour! Enfin, une famille véritable. Mmh. Nos enfants pourront être enseignés depuis la base et non. Garder ces choses dans le cœur. Ah, merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alors, le message d'actuel, c'est la repentance. C'est quoi la repentance? C'est le changement d'attitude. Ça ne va pas. C'est clair. Qu'il est venu donner la vie en abondance, frère, en abondance. Et si je vois les gens qui sont en face de moi là, regardez comment ils sont. Apparemment, on sent que c'est la misère, la pauvreté. Et les gens comme ça vous établissent comme étant la voix autorisée pour parler de Dieu. Mais c'est inquiétant. On présente un faux Jésus, c'est Paul qui le dit, un autre Jésus, en fait un Jésus qui laisse aux gens, quand on l'accepte, tout de suite on est riche. Dieu est amour, il est venu sauver. Vous comprenez? Si on peut être du bien, quelqu'un de nous, il va aller, bon, même s'il a fait un peu de péché, il pourra aller souffrir un peu. Mais après, avec les prières de ceux qui sont restés, il va aller au ciel. Ça, c'est hérésie. Et ça, c'est les condamnations. Ils jugent les gens, ils condamnent. Dieu n'est pas comme ça. Vous comprenez? C'est une hérésie. Et c'est grave. Faites comme moi, répentez-vous. Dans Romains 7, Paul pouvait dire, je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Donc, Jésus est venu sur terre pour aider les gens à quitter le péché. Donc, si vous mourrez dans le péché, je suis désolé, c'est l'enfer, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Monsieur William. Ils sont même pas juste, ils sont en train de parler des choses qui me disent. Alors là, vous abordez. Vous, moi, je vous dis sincèrement. Là, nous passons du thème de l'amour au thème de la justice. Comment être dit, comment être déclaré juste? Monsieur William. Est-ce qu'un homme est juste à travers le bien qu'il peut faire? Il n'y a point d'œuvre que nous fassions qui puisse nous donner droit au salut. Le seul plan de rédemption que le Seigneur a prévu pour l'homme, c'est de croire en Jésus. Voyez-vous, je suis ici en même temps pour éclairer l'opinion nationale et internationale qui suivait cette émission, mais également interpeller mon frère Athanase Odango. J'ai été le président de cette fédération. Nous avons marché ensemble, mais il sait aussi bien que moi que nous avons marché par la tromperie. Que nous avons triché, nous avons pris de l'argent de la part des autorités et nous l'avons caché au peuple. Nous avons spolié les veuves et les orphelins. Je me suis repenti parce que je veux être sauvé. Ce n'est pas votre titre d'archibishop qui vous sauvera. Ça ne veut rien dire aux yeux de Dieu. Vous êtes un serviteur, comme le dit Paul, un serviteur inutile au même titre que moi. Non, je ne suis pas, s'il te plaît. Moi, je suis une voix autorisée. Je vous en prie, vous avez été formé pour ça. Même je suis une voix. Qui porte à travers le monde. Amen. Je suis la voix mondiale. Donc je porte l'autre chose sur moi. Amen. Et je communique à qui le veut. Monsieur Kalou. Monsieur Kalou, s'il vous plaît. Amen. Monsieur Kalou. Asseyez-vous, monsieur Kalou. Allô? Oui, c'est bien Gospel News. Bonsoir. C'est Madame le ministre des Affaires religieuses. Oui, je viens de suivre votre émission à la télé et j'ai vu le numéro affiché au bas de l'écran. Je souhaiterais rencontrer M. Boukila et son collabo. C'est urgent. Je suis à ma résidence.
Oui. Ok, merci. J'ai remarqué une chose, ce sont des perroquets, mon frère. Amen. Amen. Mais c'est pour ça que... On peut parler de la Bible, de la Bible. Ah, oh, le téléphone. Oui. Oui, madame. Monsieur Athanase Odango. Oui, bien, je venais de suivre votre débat à la télévision. Je vous remercie. Oui, madame. Bye. Oh. Elle a suivi le débat. Elle a suivi le débat. Mon Dieu, c'est pas possible. Tous mes travaux sont abattus dans l'eau. Oh non, c'est pas possible. Donc j'ai quitté mon pays pour venir ici. Pour se tuer un chien comme ça. Nous sommes foutus, nous sommes foutus. Et maintenant, si le ministre croit ce qu'ils disent, que ferons-nous? Ah, il faut gérer ça. Moi, après 3 jours, je prends mon avion, je rentre. Ah bon? Ah oui. Parce que là, vous m'avez vraiment. Elle a suivi. On s'est cassé la tête pour que tu viennes? Elle a suivi le débat. Elle va savoir que non seulement j'ai menti, mais après votre prophétie, là, si n'arrive pas. Attendez, je ne sais pas si vous allez arriver. Au prophétie, là, déjà. Vous voulez la mort de l'affaire ou quoi? Vous m'avez dit ceci. Il faudrait que madame le ministre soit intégrée aussi vite que possible. Voilà pourquoi j'ai accéléré les choses. Vous faites une prophétie bizarre maintenant? Le ministre a appris qu'on a menti. Nous sommes passés la télé alors que nous évitons ça. Je m'excuse. De vous décevoir parce que là je ne peux plus continuer avec vous. Arrête cette histoire, tu vas recommencer les mêmes choses que Burkina et Toumba. Depuis là, continue comme je ne suis pas à l'aise. Mais oui, tu n'as jamais été à l'aise. Tu comprends où tu veux en venir. Oui, là, je ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Parce que depuis là, le Seigneur, mon cœur ne va plus bien. Depuis là, le Seigneur ne fait que m'interpeller. Voilà pourquoi je ne veux pas travailler avec les femmes. Là où nous sommes dans le faux, là. Ça, c'est l'unique fédération que j'ai vu où il y a des femmes. Qui vous traîne comme ça? Sortez! Mes blancs, je suis venu, mes blancs, je vais les partir. Madame le ministre. Bonsoir. Bonsoir, madame le ministre. Soyez les bienvenus. Merci. Tout à l'heure, j'ai suivi votre débat à la télévision. J'étais très surprise de voir sur le plateau Archibishop. Ah, vous voyez, hein, avec la confusion de plein de titres, de nouveaux titres, on ne s'en sort plus. Hein. Franchement, j'ai appelé parce que je ne pouvais pas dormir sans vous rencontrer. Je suis athée. Je suis athée, mais je ne sais pas si je suis encore athée. Parce que tout à l'heure, votre message m'a beaucoup touchée. Je suis un peu perdue. Madame le ministre, tout à l'heure, vous avez parlé de la confusion qui règne. C'est justement au sujet de la personne de Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi Jésus est venu sur terre? La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ici, Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Tous les hommes ont besoin de Jésus. Peu importe votre position. Alors, puisque la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Jésus, Dieu l'a envoyé sur terre pour aider les hommes à quitter le péché. Parce que Jésus est venu afin que les hommes aient la vie éternelle. Il est mort à la croix, il a versé son sang afin que quiconque croit en lui reçoive le pardon de ses péchés. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix me suivre. Je leur donne la vie. Alors qu'est-ce qu'il appelle mes brebis? Vous savez, Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Jésus est venu pour ceux qui sont dans le péché. Toi, Dieu les croit.
Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Tiens, Paul. Oh, Jeff. Waouh. Mais que fais-tu là? Moi? Oui, je suis venu me faire des CD. Ah, ça? Ah, ça. Et toi? Oh, bon, aussi, je suis venu acheter quelques CD là sur la foi. Waouh, c'est nouveau ça. Ah oui, tu vois, en fait, j'ai besoin de grandir. Hein. J'ai besoin de m'enrichir en matière de la parole, tu vois. Je suis très content de te voir, mon frère. En fait, j'ai quelque chose à te raconter. Vas-y, laquelle? Tu sais, la semaine passée, j'ai jeté toutes mes idoles. Waouh. Oui, en plus, j'ai rompu avec mon ex-copine. Gloire à Dieu. Oh, mais malheureusement, ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile. Parce que... elle m'a jeté de tout, de rien, sale type et tout. Non. Mais moi, je lui ai prêché l'évangile. Hein. Si elle a accepté Dieu, elle a décidé de continuer avec Pablo. Tu connais Pablo, non? Oui. Ah, c'est un choix, hein. C'est son choix qu'elle a fait. Vraiment, je suis vraiment dans la tête en train de dire ça. Tu sais, il faut t'attendre à ça. Tu dois t'attendre déjà à être insulté, à être frappé, à être tué, à être de tous les noms. Ah, par bon? Rapport au renoncement que tu auras fait à cause du Seigneur. Tu as choisi maintenant la voie de la sanctification, la voie de la vérité. Alors le Seigneur t'emmènera à te séparer de tout ce qui n'est pas de sa gloire. Alors attends-toi aux injures. Mais le tout, c'est que tu puisses fonder ta foi sur celui qui t'a appelé, qui t'a délivré. Tu sais d'où tu viens. Merci. La bouche dans laquelle le Seigneur t'a sorti. Alors je tiens vraiment à t'encourager, à te fortifier. Et tu vois, alors bon courage. Oui. Ne regarde pas cela. Son cas, c'est Jésus qui va le traiter. Oui. Est-ce que tu vois, Dieu est puissant, n'est-ce pas, pour la toucher. Mais ne regarde plus là-bas, mon frère. Oui, madame, ça fait combien? Entrez. Le respect à mon commandant. Oui. Merci à mon commandant. J'ai été saisi par les autorités et informé de ce qu'un certain Robert Kalou serait entré frauduleusement dans ce pays à l'aide de faux papiers. Cela s'est passé avec la complicité de la Fédération des Églises Riches, n'est-ce pas? Et il s'agit du bishop Athanase Odango, de bombardier Jean-Pierre Médan Borot, mais également d'une certaine prophétesse, Madame Jeanne Kemani. Et d'ailleurs, à propos de cette dame, une plainte a été déposée par l'ancien directeur des finances, M. Jules Ouango, à qui elle aurait extorqué une somme de 50 millions à l'aide de fausses prophéties, comme ça se passe dans leurs histoires. Je vous ai appelé pour que vous m'interpelliez ces deux individus et vous me les ramenez le plus rapidement possible dans mon bureau. À vos ordres, mon commandant. À vos ordres, mon commandant. Nous sommes à la page. Il faut s'accrocher à Jésus simplement. C'est tout ce que je peux nous encourager à faire, c'est s'accrocher à Jésus et on partira au ciel. La Bible déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la base. Tenons ferme, quoi. J'aimerais nous encourager, frère. Moi, j'ai un témoignage à la gloire du Seigneur. À 21 ans, je peux avoir mon bac. Je suis allé à l'université et j'ai vécu complètement dans la débauche. J'ai fréquenté les prostituées. Lorsqu'on nous remettait la bourse, on passait notre temps dans les bars. Ma vie était complètement gâchée. Les parents comptaient sur moi. Les parents comptaient sur moi parce que, après l'université, je devais continuer mes études en étranger. Et de là, j'ai obtenu une exclusion. C'était compliqué. Lorsque j'arrive, ma maman pleurait. La famille était complètement... En fait, j'étais sous l'emprise de la sorcellerie. J'étais sous l'emprise de la malédiction. Un matin, je suis dans ma chambre et je crie, est-ce qu'il y a un sauveur dans le monde? À peine je montais, je croise un frère avec un temps en seconde S dans un lycée. Il m'a prêché l'évangile. Par une simple parole, j'ai été délivré. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle rate! Je m'avais tous les avantages que nous avons là! Et puis je voulais te dire que chez moi, au pays, j'ai investi. Hein. T'en fais pas, j'ai une maison, j'ai une villa. Et bientôt là, je dois acheter un jet
deuxième jet privé. Tu sais, j'ai un problème. Lequel? Mais mes papiers ont été falsifiés. Et je dois rentrer dans 2 ou 3 jours. Donc trouve-moi un moyen quelque chose. Non, ne t'inquiète pas, ça c'est pas un problème. Je te donnerai les papiers de quelqu'un d'autre. Oh, merci parce que tu me rassures. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Bonjour. Bonjour. C'est vous, monsieur Robert Kalou? C'est bien moi, l'archibishop Robert Kalou. C'est la police. Vous êtes en état d'arrestation. Je vais les menoter. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Madame, venez qu'est-ce qui se vous. Passe? Venez rien contre vous, madame. Venez nous soucier. Vous savez qui je suis? Je suis la prophétesse des nations, Jean Kemani. Madame, venez je suis connue dans ce pays. Je n'ai rien contre vous, madame. Venez nous soucier. J'ai des relations. Merci mon commandant. Oui. Mission accomplie. Bien entré sous terre. Retirez-leur les menottes. Oui mon commandant. J'ai été saisi par les autorités et informé de ce qu'un certain Robert Kalou serait entré frauduleusement dans ce pays avec de faux papiers. Lorsqu'on a voulu faire venir l'archibishop, nous avons entrepris des démarches dans la régularité. Mais nous avons été confrontés à des complications pas possibles. Au point que vous avez utilisé des moyens frauduleux. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Vous êtes entré ici avec de faux papiers. Vous savez que nous sommes un pays de droit. Et que vous, pour pouvoir séjourner ici, vous faut un titre de séjour. Vous savez, c'est vous, Jeanne Kemali? Oui, je suis bien la prophétesse des nations, Jeanne Kemali. Vous êtes également poursuivi pour une affaire d'escroquerie. Mais je ne comprends pas. Vous allez décliner vos identités, n'est-ce pas? Vous allez dormir ici ce soir, je vais vous faire des mandats, des billets, des coups. Je commencerai par vous. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Robert Kalou. Monsieur, votre nationalité, s'il vous plaît. J'ai plusieurs nationalités. Je suis américain, je suis polonais, français, je suis australien, bref. Donnez-moi votre nationalité, s'il vous plaît. J'ai dit, j'ai plusieurs nationalités. Je suis américain, je suis français, je suis polonais, j'ai tout ça. Je retiens la nationalité américaine, puisque vous voulez insister. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. J'en ai plusieurs. Donc, je ne sais pas lequel vous voulez. Écoutez, monsieur, je ne suis pas dans les histoires que vous faites là-bas. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Ok. 00331-748-822. Le motif pour lequel vous avez été interpellé, c'est faux usage de faux. Vous serez reconduit à la frontière conformément aux exigences des lois en matière d'immigration clandestine. Ça va pas s'arrêter ici. Vous me mettez ces deux personnes dans les géoles, on verra le problème demain matin. À vous de mon commandant. Messieurs, dames, venez, s'il vous plaît. Ça va pas s'arrêter ici, hein. Je vais porter atteinte à votre personnalité, la chute du choc. Mokolo moko yotika kikembo na yo Oyaki nase yondima yokufe langai Omibuli sapona ngai na nabota malkite Chéri, oui? Le tomba viendra à quelle heure? Ah, il sera là bientôt, hein. De toute manière ils m'ont dit 19h. Je crois qu'ils seront bientôt là avec madame le ministre, hein. Tu m'as dit bon courage car moi j'ai vaincu le monde. Yo tambola na mokili yo yo salatani soumote et souna. Vraiment je le t'encourage. Hein. Le fait que tu t'es repenti publiquement et que pas forcément moi mais parce que toi tu étais la tête en fait. Jean disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est là les temps que nous vivons. Nous ne venons pas pour condamner les hommes. Dieu aime tout le monde. Sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais nous devons nous détourner. Les hommes doivent se détourner de ceux qui ne glorifient pas Dieu. D'accord? Salut. Oui, attendez. Ce qui
kamba kamba na mona kembo na yo banze la mi baleyo ti ali boso nanga ya bomo pe ya kufa oli ça va. Je suis contente de te voir. Dieu fait les grandes choses. Oui, comment tu vas, ma soeur? Dans Moukila. On dit quoi? Merde. Oh. Que Jésus soit loué. Ça va. Oh, que Dieu soit loué. Vraiment. Ah, Betumba, pardonne-moi de t'avoir traité de tout alors que tu avais raison. Il n'y a que Dieu qui peut nous réconcilier. Et c'est lui qui nous a donné la parole de la réconciliation. Ma soeur, vraiment, pardonne-moi. C'est Dieu qui nous pardonne tous. Amen. Moi aussi, j'ai été par moments une occasion de chute pour toi. Je te demande pardon. Tu avais vraiment raison de nous. Ensemble. Kamba kamba, kamba kamba, kamba kamba, inamona kendo na yo. Kamba kamba, inamona kendo. Soyez la bienvenue. Merci. Ah, madame le ministre, bienvenue. Merci. Alors maman, ça va? Oui. Bienvenue. Bienvenue chez ton fils. Hein? Merci. Ok. Alors tu connais Nyambou, je te présente Dadi de Tumba. Bonsoir. Bonsoir madame. C'est un de mes frères également, un de tes frères. Ah. En place avec nous. Christ est venu pour que nous aimions les uns les autres. Et l'amour doit se matérialiser. C'est pourquoi la vie en Christ, c'est pas seul. On ne peut pas vivre seul. Lui, c'était mon bras droit. Lorsque j'allais bouffer un peu les gens là-bas, il recevait beaucoup d'enveloppes de ma part. Maintenant, nous sommes des enfants de lumière. Il est nécessaire. Hein, Flavien, il ne faut pas te fâcher. Hein. Oh. La preuve, c'est qu'on est là. Moi aussi, je vous demande pardon parce que récemment, là, dans le séminaire, avec Athanase, on a vraiment lancé le feu sur vous. Hein. Ah bon? Oh, je vous dis. Donc, c'est pourquoi on a bien dormi, parce que vous avez lancé le feu. Ah, vraiment. Mais c'est venu nous percer. C'est les vitamines. On a bien dormi, hein? La grâce est un privilège. Et puis, que le Seigneur nous accorde alors. La loi, par exemple, pouvait te dire: frappe ton ennemi quand il t'a giflé. Mais maintenant, Jésus donne la grâce. Il nous dit d'aimer même ceux qui nous ont giflés, de ne pas rouge. Par rapport à toutes les questions que je me posais, aux réponses que j'ai reçues aujourd'hui, j'avoue que j'ai beaucoup appris et que vraiment je dois continuer sur amen. Cette voie. Moi je dis amen. Pour mieux connaître parce que j'ai soif de la parole. Amen. 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 La repentance qui produit la tristesse dans mon cœur aujourd'hui me donne la vie. Jésus est meilleur. Jésus est plus que le football. J'ai été formé pour ça. Même je suis une voix qui porte à travers le monde. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus qui est de Nazareth. Voilà pourquoi nous devons comprendre que non, que seul Jésus est le seul qui va nous aimer véritablement. Alors le Seigneur t'emmènera à te séparer de tout ce qui n'est pas de sa gloire. Et que j'ai appris aujourd'hui, je te dis, je ne vais pas compter. Il paraît que Jésus revient bientôt. S'il faut mourir pour Jésus, cela vaut la peine aujourd'hui. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors quand tu acceptes, pour accepter Jésus, il faut dans un premier temps reconnaître que tu vis dans le péché. Reconnais que la vie que tu mènes, c'est une mauvaise vie. Comme l'or, tu vis dans ce monde rempli de péchés. Comme l'or, tu sais, te taire, je suis un étranger. La séduction est tellement forte, je me fortifie en toi. Comme Lot, mon seul désir est de te plaire, mon Seigneur. Cependant, le monde dans lequel je me trouve est perverti. Tout est fait pour m'éloigner davantage de toi, Seigneur. Aide-moi. Comme Lot,
seul désir est de te plaire, mon Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire. L'ordre, mes désirs sont contraires aux réalités de ce monde. Aide-moi dans ton amour, conduis-moi dans ta parole. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, garde-moi dans ton amour, conduis-moi dans ta parole. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. La sainteté que tu m'as donnée, l'impureté atteint son sommet. Autour de moi, Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu sais, je ne veux pas te mélanger avec le monde. Je dois briller dans ce monde pervers et corrompu. Tu m'as dit, sans toi Seigneur, je ne peux rien. Je ne veux même pas compter sur moi-même. Je t'en prie, aide-moi. Comme l'homme, mon seul désir est de te plaire, oh Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire, mon Seigneur. Comme l'homme, mes désirs.